Me le propre personnellement. Mais à force d'en vouloir toujours plus, ça finit par l'énerver. Ce qui m'ennuie le plus, c'est que tu aies mêlé ta famille à tout ça. Toi qui es commissaire, tu sais ce qu'on dit, non? Les ordres sont les ordres. Qui tu veux voir mourir en premier? Ta femme? Ton fils? Ta fille? Qui? Peu importe. Ils te rejoindront de toute façon. Tu n'as rien à craindre de moi. Ouvre les yeux. Je te promets que je ne te ferai rien. Je veux juste que tu m'écoutes attentivement, d'accord? Tu vois cette carte? Je vais la déposer sur cette table, près du téléphone. Je vais te libérer et je vais partir. Tu prendras le téléphone, tu comprendras le numéro qui est dessus. Ce sont des amis à ton papa. Ils viendront te délivrer, toi et ta famille. Tu as tout compris? J'ai fini la jump. Je te rejoins. Je fais au plus vite. Passé? Aucun souci, pas l'envie d'en parler. Ah bon? Ben il fallait rester avec moi. Regarde, moi je suis la peinard à m'occuper des filles. Pendant que t'es en train de te faire chier avec le sale boulot. T'as son cours là, tes putes? Ne sois pas si méchant. Ce sont mes princesses, je les adore. Anastasia, Denisa, dites bonjour à mon ami John. Salut John! Et en plus, c'est elle qui paye la soirée aujourd'hui. Putain, Phil, tu fais chier. Pense à ta femme et à ton gosse. J'y pense. Mais ce soir, c'est détente. Hey Joe, remets une bouteille. Ce sont les filles, elles ont eu des nouveaux clients.
bah sortez les filles. John ? John ! Salut Victor. Monsieur Lenders est ici. Je veux te voir, il est au salon. Le voilà, monsieur. Vous pouvez nous laisser ? Dis-moi, John, ça fait combien de temps que tu travailles pour moi ? Un peu plus de 20 ans, monsieur. Je me souviens quand Victor est venu te présenter. J'ai tout de suite vu en toi un potentiel énorme. Et je m'étais pas trompé. T'as toujours fait un travail de qualité. Impeccable. Sans bavure. C'est admirable. Sauf quand tu te permettais de me tenir tête. En épargnant les femmes et les enfants, par exemple. Mais tu vois, je dois t'avouer, même pour ça, je te respecte beaucoup. Respect. Respect. Qualité qui se perd. Mais tu vois ce qui m'agace le plus, c'est le vol. Tu vois, il y a 2 semaines, j'ai organisé un grand banquet pour remercier nos partenaires. Des juges, des flics, des petits caïds. J'ai demandé à Victor d'amener ses meilleures filles, que j'ai payées grassement. Et tu sais comment ces 2 putes me remercient ? Elles font se servir dans la poche de mes invités. Elles volent mes invités. Prends la carte. Anastasia. Denisa. Dis-moi. Phil. Il représente quoi pour toi ? Ça va, Jen? Tu sais, si t'as besoin de penser à autre chose, je peux t'aider. Ou Denisa, si tu veux. N'hésite pas, pour toi, ce sera toujours gratuit. Pas cette pression. Ah, le grand patron.
putain de jambe de merde. Je peux peut-être t'aider. Tu pourrais, ouais. Je peux te faire confiance? Monsieur. Bordel, ça fait une semaine. T'as demandé de l'aide à Victor? Oui, monsieur. Bien. Et n'oublie pas, cette fois, pas de code. Toute sa famille doit suivre. Sinon, tu feras le voyage avec eux. C'est clair? Bien compris, monsieur. Ce sera fait. Salut ma poulette. Ça va toi? C'est pour moi? Tu sais pas que tu as été seule? Oui! Ok, on va aller voir maman alors. Si elle me dit le contraire, je te garde pour moi. Elle est où maman? Dans la cuisine. Salut Meg. Ça va? Dis-moi, ça a été simple? Elle a été super sage. Elle a même mis un très beau bulletin. C'est vrai? Alors, c'est pour toi. Oui! Ça va, toi? Ça va. Ça fait des jours qu'il est comme ça, mais il veut pas me dire pourquoi. J'imagine que si tu savais quelque chose, tu ne me le dirais pas. T'imagines bien. Tu as du café? Ouais. Vas-y, je te l'apporte. Ok, merci. Ça va, mon bro? Hey, mon John. Ça va et toi? Viens, prends une chaise. Assieds-toi à côté de moi, mon John. Tiens. Merci. Je t'en refais un? Je veux bien, bébé. Ajoute une petite gosse, s'il te plaît. Tu crois pas qu'il est un peu tôt pour ça? Je ne te demande pas ton avis. Fais-le, c'est tout. Tu m'expliques ce que tu as? C'est plutôt à toi de m'expliquer. Ça fait une semaine que je n'ai plus de tes nouvelles. Ça ne te ressort pas. Ouais. Lenders m'a refilé un job de merde. J'ai dû faire silence radio. Ok, ça je peux le comprendre. Mais les autres, pourquoi je n'ai plus de nouvelles d'eux? Même les filles ne répondent pas à mes appels. Juste au SMS. Merci bébé. Et tu n'as pas été faire tes tournées habituelles? Si. Qu'est-ce qui te tracasse alors? Un silence que je n'aime pas. Bébé, on t'appelle. C'est Victor. Allô? Alors, il t'a dit quelque chose? Je pense qu'il nous fait une grosse déprime, c'est tout. Il faut y aller, on a un job. Papa, papa! Regarde ce que Farah m'a apporté. Waouh! Elle est belle, hein? Elle est comme toi, mon princesse. Elle est magnifique. On doit récupérer bébé. Les... Ouais. Je prends mon matos et je te rejoins à la voiture. Ok.
Bisous, ma princesse. Check. Sage. Tu fais attention à lui, ok? Comme d'hab. Mieux que d'hab. J'ai un mauvais pressentiment cette fois-ci. Putain, je retrouve plus mon arme. Tu ne l'as pas oublié à la discothèque? Non, ce sont d'autres deux petites connes qui me l'ont encore chouré. Vas-y, démarre. On va où? Au vieux sanatorium. Anastasia? Denisa! Anastasia! Hey! Anastasia! Denisa! Hey! C'est toi qui les as? Alors on va se la jouer comme ça. Le fidèle nettoyeur jette aux encombrants ses ordures. Bouge pas. Tu vas vraiment me buter? T'as déconné. Bien sûr, j'ai déconné. Et tu crois tout ce que Landers te dit? Arrête! Vous avez été filmé, j'ai vu les images. Mais qu'est-ce qui t'a pris, putain? Tu sais très bien que je ne sais pas leur dire non. Que c'est encore à cause de ces putes? Elles voulaient changer de vie. Quitter tout ce merdier et repartir à zéro. Mais tu ne vois pas qu'elles se sont servies de toi? T'étais un pigeon parfait pour elles. Et Landers, Victor et tous les autres. Et tu croyais vraiment qu'ils allaient vous laisser faire? Qu'ils ne verraient pas vos petites magouilles? Mais t'as agi comme un con, putain, un vrai con! Ah ouais. Mais alors, vas-y, tire! C'est pour ça qu'on est là, non? Alors finissons-en. Vas-y. Tire! Bute-moi! Debout! Debout, je t'ai dit! Et maintenant, faux frère. Vas-y, serai tranquille, si. Mais n'oublie pas, si je ne ramène pas la preuve de ta mort à Landers, il leur verra quelqu'un d'autre. Et ça ne s'arrêtera pas qu'à toi. Non. Non. Elles n'ont rien à voir là-dedans. Tu les as condamnées à partir du moment où tu t'en es pris à Landers. T'as raison. Shit!
Bon travail. Et tu as fait ce que je t'ai demandé ? Oh ! Oh, je t'ai posé une question, là. Thank you.